mais également sur l'importance du rôle de la femme pour le renforcement de l'insertion des femmes dans la production. L'entrée des femmes sur le marché du travail a des conséquences sur toutes les sphères de la vie économique et sociale. L'insertion socio-économique des femmes accélère la croissance et la sortie de la pauvreté des femmes et de leurs familles. Lors de cette conférence, nous allons tour à tour écouter les interventions de Madame la Secrétaire Générale de l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes, suivie de la Présidente de la Chambre de Commerce par intérim, puis Madame le Ministre de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, chargée des relations avec le Parlement, prendra la parole. Ensuite, la directrice de l'ODEPIC nous présentera la situation des femmes entrepreneurs à Djibouti. Cette présentation sera suivie par les interventions de quelques femmes entrepreneurs djiboutiennes qui vont nous présenter leur parcours professionnel. L'intervention de notre hôte, présidente de l'Association des femmes entrepreneurs éthiopiennes, clôturera les interventions. Ensuite, nous allons ouvrir les discussions de débat afin de recueillir les recommandations et répondre aux questions des participantes et participants. Je vous remercie. Je m'excuse, on va ouvrir cette conférence par la lecture de l'Islam du Moussoura du Saint-Coran par M. Mohamed Daher. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. J'invite Madame la Secrétaire Générale de l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes, Madame Awa Jama. Femmes entrepreneurs, Madame la représentante des associations de l'Association des femmes entrepreneurs de l'Éthiopie, Mesdames les femmes entrepreneurs, honorables invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi de prendre part à cet atelier dont l'objectif est de débattre les voies et les moyens pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat féminin à Djibouti. Nul besoin de rappeler que l'INFD que je représente soutient les femmes djiboutiennes en quête de leur autonomie économique et c'est depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Grâce à la vision éclairée de notre présidente, son Excellence Madame la Première Dame du pays, Madame Khadra Mahmoud Haïd, l'INFD n'a cessé d'œuvrer pour améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. En effet, je ne pourrais citer ici les nombreuses initiatives entreprises par l'INFD pour renforcer le rôle et les responsabilités de la femme djiboutienne dans notre société, avec le concours bien sûr des institutions partenaires, en l'occurrence le ministère de la Promotion de la Femme. L'INFD a activement participé à l'élaboration et à la vulgarisation du Code de la Famille, au lancement du programme national de l'alphabétisation fonctionnelle et lancement du programme de microcrédit du projet Fonds social de développement et bien d'autres projets sociaux en faveur de la femme. L'INFD a salué son Excellence, Madame la Première Dame,
a placé la problématique de l'intégration économique de la femme au cœur de ses priorités. Notre président n'a-t-il pas souligné en ces termes, je cite, « Quand la femme est active, la pauvreté est passive ». Par ailleurs, on ne peut se réjouir de tous ces investissements directs étrangers qui offrent des opportunités de croissance et donc de création d'emplois. C'est à vous, femmes entrepreneurs, d'en tirer bénéfice, parce que notre président, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, reste convaincu que les femmes entrepreneurs détiennent la clé de la croissance. Mais malheureusement, force est de constater que beaucoup de femmes djiboutiennes se lancent en premier lieu pour créer leur propre emploi. On parle d'entrepreneuriat des nécessités par opposition à l'entrepreneuriat de croissance plus répandu chez les hommes. Le fait rejoint la vision de l'UND qui est de donner aux femmes entrepreneurs le moyen de leurs ambitions afin de rentabiliser davantage leurs activités commerciales. L'UND représente l'antenne nationale des femmes com, branche du COMESA, marché commun de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique orientale et australe. Femmes com Djibouti se veut d'être un cadre qui favorise la création d'entreprises aux femmes. Ces dernières ont besoin d'être accompagnées, d'avoir des structures pour se développer et d'être suivies dans la durée. Femcom travaille dans le sens de la promotion des programmes qui intègrent les femmes dans le commerce et le développement depuis juillet 1993. Elle est engagée dans des programmes visant à sensibiliser les femmes au sein de la zone libre-échange du COMESA sur le marché d'exportation. Femcom a pour objectif de renforcer les capacités des membres des femmes comme dans la gestion des affaires et des exportations pour que les femmes de la région soient en mesure de faire concurrence favorablement à la fois sur le marché régional et mondial. Nul doute que l'entrepreneuriat féminin est un moyen important permettant d'obtenir du travail décent et productif pour les femmes ainsi que l'égalité des sexes, mais les femmes entrepreneurs sont confrontées à des obstacles liés à la différence entre les sexes pour le démarrage et la croissance de leurs entreprises, notamment un manque d'accès au financement formel, un accès limité à l'information, des pratiques sociales et culturelles discriminatoires, la violence domestique. Pour ce qui est de l'engagement de notre pays à l'égard de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement envers différentes conventions internationales sur l'habilitation des femmes et l'égalité des sexes, le développement de l'entrepreneuriat féminin jouit d'un avantage comparatif pour s'attaquer à la vulnérabilité économique des femmes. Une des solutions que je préconise est de créer des programmes de financement intégrés pour le développement de l'entrepreneuriat féminin afin de contribuer à un environnement entrepreneurial plus équitable pour les femmes entrepreneurs et pour augmenter leur apport au développement économique. Élaborer des instruments et des mécanismes de financement pour les petites et moyennes entreprises afin d'améliorer le marché des capitaux et d'aider les petites et moyennes entreprises florissantes à s'agrandir. Enfin, pour clore mes propos, je remercie le ministère de la Promotion de la Femme de m'avoir donné la parole et je souhaite plein de succès à cet atelier. Merci de votre attention. Madame la ministre de la Promotion de la Femme, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du Parlement, madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Madame la secrétaire générale de l'UNFD, Madame la représentante des femmes d'affaires éthiopiennes, Madame la représentante de la CNED, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à l'occasion de cette conférence sur le rôle économique des femmes d'affaires, et ce, en lien avec ma fonction d'élue du bureau de la Chambre de commerce de Djibouti, organisme représentant l'ensemble du secteur privé djiboutien, femmes et hommes confondus. Les femmes djiboutiennes sont actives dans le secteur privé depuis la nuit des temps et elles interviennent dans pratiquement toutes les activités génératrices de revenus. Si l'on se réfère au rôle des patentes et à la liste des membres de la CCD, elles exercent dans toutes les catégories professionnelles, le transport, le transit et la logistique, l'industrie et les entreprises de construction, l'import-export et la distribution, le secteur agricole, les professions libérales et les nouvelles technologies, etc. En effet, et j'insiste bien sur cet aspect, dans notre pays, les femmes bénéficient d'une liberté totale pour entreprendre et exercer l'activité qui leur convient. Il n'existe aucune entrave, que ce soit au niveau réglementaire, culturel ou social, encore moins au niveau moral, qui les empêche de créer leur entreprise
ou d'exercer le métier qu'elle souhaite, ce qui n'est pas le cas dans certains autres pays. Au contraire, et il est important de le mettre en exergue, depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État et la Première Dame, Mme Khadra Maadoud Haid, n'ont pas ménagé leurs efforts pour créer un environnement favorable au développement et à l'épanouissement de la femme djiboutienne afin qu'elle maîtrise son destin et qu'elle participe activement à l'économie du pays. Au niveau du développement économique, justement, le secteur privé est considéré comme le moteur principal de la croissance. Cela dit, les proportions dans lesquelles s'effectue ce développement, de même que sa durabilité, dépendent des caractéristiques de la croissance, notamment de la largeur de son assise et de la mesure dans laquelle elle intègre l'ensemble des franges de la population. Autrement dit, un pays ne peut pas se développer durablement si près de la moitié de sa population, en l'occurrence les femmes, ne participent pas à son essor. En effet, selon l'annuaire des statistiques de la DIZED de 2013, les femmes représentent près de la moitié de la population totale du pays, pour une population active de seulement 35%, soit près des deux tiers n'ayant pas d'activité reconnue ou déclarée. On suppose toutefois qu'une grande partie de cette population féminine n'est pas inactive, mais qu'elle intervient dans le secteur informel, et ce de manière plutôt visible. De ce fait, elle participe indirectement au développement économique et social du pays, car, comme le démontrent les statistiques, quand les hommes investissent 30% de leurs revenus dans la santé, l'éducation et la vie du ménage, les femmes, elles, en injectent trois fois plus, soit 90%. En effet, au moment du lancement de leur activité, la principale motivation de la majorité de ces femmes est de générer des revenus, aussi minimes soient-ils, afin de subvenir aux besoins fondamentaux de la famille. Pourtant, ces femmes ne profitent pas des avantages que devrait leur octroyer leur statut, à savoir la sécurisation de leurs activités et de leurs biens, l'accès à une couverture maladie, la retraite, sans parler des services d'accompagnement et de conseils classiques. Il est toutefois noté que récemment, des avancées au niveau social ont été mises en place par le gouvernement, telles que l'assurance maladie universelle, qui permet l'accès aux soins à toutes les franges de la population. Il s'agira maintenant de leur montrer qu'elles peuvent passer à l'étape suivante et procéder à une meilleure structuration de leurs entreprises afin d'accroître leur activité. Je crois qu'il s'agit là d'un enjeu de taille pour l'ensemble des départements ministériels ainsi que pour les institutions concernées par cette question. En effet, le premier défi pour tous ces départements est de se coordonner et de se concerter pour sensibiliser ces femmes sur les outils existants, disponibles et accessibles, à même de les aider à assurer le développement de leur entreprise. À cet effet, la Chambre de commerce de Djibouti leur offre, au même titre qu'aux entités dirigées par les hommes, une palette de services d'appui et de soutien allant de la formation à l'information commerciale ou à l'accompagnement dans le management de la vie de l'entreprise, en passant par la mise en place de la comptabilité, le conseil sur leurs préoccupations quotidiennes, etc. Notre institution s'engage d'ores et déjà à travailler avec toutes les bonnes volontés pour communiquer plus largement sur les prestations qu'elle fournit à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Alors, mesdames, n'hésitez pas à vous lancer et à concrétiser vos idées, d'autant plus qu'un projet féminin bien ficelé bénéficie souvent d'un capital confiance important vis-à-vis des partenaires institutionnels et financiers. N'oublions pas que la valorisation du statut de la femme est un atout de taille qui caractérise notre pays et contribue à son rayonnement aussi bien sur la scène régionale qu'internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je m'excuse de tourner le dos, mais aujourd'hui, nous avons voulu donner la primeur aux femmes entrepreneurs et qu'elles soient en face de nous. Et nous sommes là en tant que participantes, je dirais. Mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente de la Chambre de commerce par intérim, madame la secrétaire générale de l'UNFD, mesdames et messieurs les représentants des organisations bilatérales et multilatérales, madame la présidente de l'Association des femmes entrepreneurs d'Éthiopie, mesdames les femmes entrepreneurs, les jeunes étudiantes et étudiants, jeunes futurs entrepreneurs, honorables invités, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de m'exprimer devant vous et je vous remercie d'avoir répondu présente et présent massivement pour partager avec nous vos expériences entrepreneuriales et démontrer que les femmes djiboutiennes sont sur tous les fronts. Aujourd'hui, nous sommes réunis afin de débattre sur le rôle économique des femmes. L'objectif principal de cette conférence est d'engager un débat sur les voies et moyens de renforcer le rôle des femmes et jeunes filles sur le plan économique afin de jouer pleinement leur rôle au sein de la société. Comme vous le savez, cette année, le thème retenu par la communauté internationale pour la célébration de la Journée internationale de la femme est « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité, imaginez ». Le choix de ce thème se justifie du fait que 20 ans après Beijing, des progrès considérables ont été accomplis dans de nombreux domaines. Le fait de mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes signifie que l'ensemble des parties prenantes sur le plan mondial doivent corroborer leurs efforts afin d'atteindre cet objectif qui, malgré tous les efforts mis en œuvre par les gouvernements et les communautés pour que la femme soit présente dans le paysage économique de son pays, cet objectif est loin d'être pleinement atteint. Il est clair aujourd'hui que le taux d'activité des femmes a augmenté de façon exponentielle. Si aujourd'hui elles peuvent participer de manière grandissante aux activités économiques du pays, ceci découle notamment de la vision progressiste du chef de l'État. Et à ce titre, la politique du président de la République, qui prône l'intégration de la femme au processus de développement national, a servi de déclencheur. Je souligne aussi que le Forum national sur l'emploi et la création d'entreprises, organisé en 2010 sous son haut patronage, a été une bonne occasion d'identifier certaines difficultés auxquelles sont confrontées les femmes pour intégrer pleinement le secteur privé. Je rappelle également qu'en 2011, le thème choisi pour le Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme portait sur l'entrepreneuriat féminin. Il était révélateur puisqu'il traduisait l'évolution positive du statut de la Djiboutienne. En 2012 également, le thème du Grand Prix était la femme dans le secteur informel pour mettre l'accent sur ces femmes de l'ombre qui œuvrent à l'amélioration des conditions des vies de la société djiboutienne. Par ailleurs, le troisième objectif du millénaire au développement, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, est particulièrement digne de mention, puisqu'il a été reconnu comme un objectif en soi, ainsi que comme un levier essentiel pour l'atteinte des sept autres OMD. Les femmes autonomes contribuent, comme le disait tout à l'heure la présidente de la Chambre de commerce, par intérim, les femmes contribuent à la santé, à l'éducation et à la productivité des familles et de la société tout entière. Ainsi, leur autonomisation est une étape cruciale dans l'atteinte des objectifs en matière de développement national, régional et international. Ainsi, je voudrais insister que contribuer à l'autonomisation socio-économique des femmes, ce n'est donc pas seulement aider les femmes en elles-mêmes, mais c'est aussi aider l'ensemble de notre société à mieux préparer et bâtir un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle, pour parvenir à l'égalité des chances dans tous les domaines, le gouvernement a entrepris des efforts considérables et ces derniers ont été quelquefois freinés par des barrières culturelles qui cantonnent les femmes dans le secteur de l'informel. Toutefois, de nombreuses autres mesures sur le plan économique, et je voudrais citer l'une des dernières mesures qui est la SCAP, l'une des politiques, une stratégie qui a été mise en œuvre pour améliorer l'emploi de toute la société, et les femmes également ont un rôle particulier dans cette stratégie. Il y a également lieu de rappeler que depuis la création de la Caisse populaire d'épargne et de crédit, plus de 35 000 personnes, essentiellement des femmes, ont bénéficié de microcrédits et de la microfinance. Et la mise en place d'une branche Femcom à Djibouti, qui sert de vitrine à l'extérieur,
et basée à l'Union nationale des femmes djiboutiennes devrait contribuer en plus de l'aide apportée par la Chambre de commerce qui nous a aidés à préparer cette conférence, et je les en remercie, notamment la secrétaire générale qui est en face de nous. Merci Hibo. Et donc toutes ces instances et institutions devraient contribuer donc à améliorer le rôle économique de la femme au sein de la société djiboutienne. Je souhaiterais ici rendre hommage à nos aînés qui ont cru donc à l'entrepreneuriat féminin en leur temps. Je voudrais citer Magda, Hikmat, Saada, je ne vois pas tout le monde, Mako, peut-être que tout le monde n'est pas là. Je parle des aînés, mais il y a également toutes les nouvelles qui ont pris le train de l'entrepreneuriat, et je voudrais vraiment les remercier de leur présence ici pour la contribution et l'exemple qu'elles donnent à notre jeunesse. Et pour terminer, je souhaiterais vraiment ici rendre un hommage particulier à Madame Magda Koubesh, qui, si aujourd'hui représente ici le président de la Chambre de commerce, est un modèle pour nous toutes dans la poursuite d'idéaux, non seulement dans le domaine professionnel, mais également sur le plan personnel. Elle, qui en reprenant le flambeau paternel, a su conjuguer au féminin les mots engagement et effort, et a su faire preuve de ténacité, de persévérance et d'audace, et qui a toujours cru au potentiel des femmes djiboutiennes. Merci Magda, et continue à briller. En conclusion, je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux pour que cette conférence débat aboutisse à de bonnes solutions et recommandations. Et merci pour votre aimable attention. De la politique gouvernementale. De fait, tandis que les femmes, 52,6% de la population totale, les statistiques collectées ne reflètent malheureusement pas leur prépondérance dans l'environnement économique national, alors même qu'elles demeurent des actrices incontournables dans le commerce. Les raisons sont multiples et, entre autres, de nature culturelle, sociale et économique. Cette prise de conscience donc a entraîné la multiplication des actions en faveur de l'amélioration du climat des affaires en général et plus particulièrement de l'entrepreneuriat féminin. La République de Djibouti donc fait face à un défi de taille qui exige l'élaboration d'une démarche intégrée qui doit s'appuyer sur une collaboration harmonieuse de tous les acteurs qui proviennent de milieux gouvernementaux, du secteur privé ou encore de la société civile. Les premiers acteurs depuis 1977 à la lutte pour justement la situation de la femme en République de Djibouti, c'est incontestablement l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Présidée donc par la première dame de la République, son excellence Madame Khadra Mahmoud Haït, présidente de l'UNFD et première dame de ce pays, donc, qui est donc cette Union nationale des femmes qui est créée, qui a été déjà citée par le secrétaire général depuis 1977, par le mouvement féminin indépendantiste. Je cite donc la citation qui est devenue maintenant culte, « Quand la femme est active, la pauvreté est passive », c'est la phrase de la première dame et présidente de l'UNFD. Donc tant que nous avons cette force et cette conviction, je pense qu'on pourrait aller de l'avant. Donc c'est la première, si vous voulez, organisation ou institution qui a cru en la femme djiboutienne, à son militantisme et qui a traversé donc beaucoup pour aboutir à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc outre les missions qui ont été citées donc par la secrétaire générale, donc on a la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, lutte contre l'analphabétisation, lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, promotion et protection des droits humains, promotion et protection de la santé de la mère et de l'enfant, protection de l'environnement, amélioration des conditions de vie des femmes en milieu urbain et rural, pour arriver donc en 2014-2015, toute cette ère-là sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les grandes initiatives du gouvernement en matière de promotion de la femme, donc la première que je viens de citer, donc c'est en 1977 avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. En 1998, nous avons la direction de la promotion de la femme et de la famille. En 1999, il y a eu la création du ministère délégué de la promotion de la femme. En 2000, le grand prix du chef de l'État. En 2002, la SNIF, le SNIFET, code de la famille, loi de...
francophone. Voilà, pouvoir de 10% dans les fonctions électives et dans l'administration. En 2017, donc, nous avons le CADA. En 2008, le MPF, décret d'application pour les hautes fonctions de l'État, à hauteur de 20%. En 2010, les femmes ont bénéficié de la politique nationale genre. En 2013, nous avons donc une création d'une licence entrepreneuriat à l'Université de Djibouti. Et enfin, en 2015-2016, il y a eu donc la SCAP pour les femmes. Tout ça, toutes ces actions ont été entreprises, donc, surtout la dernière, donc, par le ministère de la Promotion de la Femme, à travers donc, un plan d'action concret en faveur des femmes, et notamment des femmes entrepreneurs. Le DEPIC donc, a été créé dans un contexte économique nouveau. C'est une institution tout à fait nouvelle que j'ai eu l'honneur de diriger. Donc le passage d'une économie basée sur les matières premières à une économie basée sur la connaissance et le savoir-faire. Comme vous le savez, le DEPIC donc, a deux missions principales. L'une, c'est le registre du commerce et des sociétés, donc dont l'objectif est de formaliser les femmes qui sont non seulement dans le secteur informel, mais toute femme qui a des idées, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Le deuxième, donc, c'est la propriété industrielle, notamment les marques, les brevets, les dessins et modèles, etc. Donc, l'un des intérêts, justement, de la création de cette institution, c'est la formalisation des entreprises, leur immatriculation, leur formalisation, la lutte contre la concurrence déloyale, lutte contre le secteur informel, banque de données publiques répertoriant les principales activités de la vie économique, et elle stimule aussi la créativité et l'innovation à travers la propriété industrielle. Elle contribue également à la pérennité de l'entreprise. L'un de nos objectifs, donc, c'est face à ce constat en fait, de la faiblesse de représentativité. Vous savez que depuis 2012, tout le registre du commerce a été informatisé. Ça nous a permis d'avoir, si vous voulez, une image sur la situation statistique de la femme par rapport à celle des hommes. Et depuis lors, donc, le constat est alarmant. Il y a une faiblesse de représentativité des femmes entrepreneurs au registre du commerce et des sociétés. Le DEPIC donc, s'est assigné une nouvelle mission spécifique qui consiste à mettre l'entrepreneuriat féminin au cœur de notre stratégie et permettre à celle-ci de développer les compétences nécessaires pour concrétiser leur projet entrepreneurial. Comme on le dit souvent, on n'est pas mieux servi que par soi-même. Si je suis une femme, je pense que c'est une des missions que nous devons nous assigner. En tout cas, tout ensemble, si on est une femme, tout ensemble, on peut convaincre les hommes à nous rejoindre pour nous aider, pour nous aider. Quand la manette n'est pas avec nous, on peut les sensibiliser pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir atteindre nos objectifs, à pouvoir aider nos sœurs qui ont des idées et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. La part de l'entrepreneuriat donc, féminin au RCS, comme vous le voyez ici, il n'est que de 16%. 16% seulement de femmes créent des sociétés, c'est les statistiques de 2014, sur 501 sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés, seulement 16% sont gérées par des femmes. Parmi les 16%, vous voyez, il y a plus de 35 ans qui ont 11% et les moins de 35 ans, 5%. Mais Dieu seul sait que celles qui sortent de l'université ont beaucoup d'idées et qu'elles veulent les concrétiser. Par contre, la note positive que nous pouvons relever de ces statistiques, c'est que de plus en plus les femmes prennent en compte que plus elles deviennent des personnes morales quand elles créent leur société. Vous savez que la personne morale, quand on crée une société sous forme de personne morale, on a beaucoup plus d'appui, et au niveau étatique, et au niveau des partenaires, au niveau des banques. Il n'y a pas cette frilosité de leur prêter de l'argent. Cette chose, elles l'ont comprise parce que, comme vous voyez ici, la flèche en rouge montre en fait la tendance progressive d'augmentation des femmes qui passent de 29 sociétés en 2012 en personne morale à 37 en 2013. À 2014, elles atteignent 50. Quand le sens inverse, pour les personnes physiques, il y a une tendance inverse qui se produit. On passe donc de 55 en 2012, 29 en 2013, 35 en 2014, et donc on pourrait éventuellement s'en féliciter. C'est avec cette personne morale qu'elles peuvent accéder au crédit et à beaucoup d'autres atouts que le gouvernement leur offre. Les classements des domaines d'activité des femmes entrepreneurs sont larges. En premier, en tête, il y a les travaux publics et privés, prestations de services, hôtellerie, tourisme et restauration, matériel électronique, activité artisanale, mode, tissu et parfumerie, commerce, alimentation générale. Le secteur informel. Les femmes commerçantes donc, représentent malheureusement 31,7% des statistiques qui ont été relevées. La plupart sont chachaï, vendeuses de cartes, elles font l'échange de monnaie comme vous le voyez en ville. Et malheureusement,
31,7, il faut entendre quand on dit 31,7 entrepreneurs dans le secteur informel, ça veut dire qu'elles ne bénéficient d'aucun soutien, d'aucune aide, ne bénéficient d'aucune protection sociale, etc. Pourtant, voilà l'itinéraire que traverse la commerçante djiboutienne, si vous voulez, tous les jours. Elle va en Chine. Je pense que c'est même les premières, avant même les hommes, qui sont partis en Chine, qui sont partis en Thaïlande, qui ont, si vous voulez, sans de temps en temps parler la langue, sans parler l'anglais, sans parler le français, ont pu traverser et commercer. Et pour vous dire que ça n'a rien à voir de culturel, là, ça nous démontre que si c'était culturel, même dans le secteur informel, on n'allait pas agir. Ça n'a pas, si vous voulez, d'impact culturel, mais c'est peut-être le manque de sensibilisation, le manque d'accompagnement et de temps en temps la méconnaissance du système administratif, etc. Quel est l'enjeu? Donc, les femmes entrepreneurs du secteur informel représentent approximativement le double des femmes entrepreneurs inscrites au registre du commerce. Notre défi, donc, pour ces trois prochaines années, 2015-2016, est d'attirer les femmes actives du secteur informel vers le secteur formel, et ce, à travers donc, des séances de conseil, d'encadrement, des sessions d'information sur les bénéfices de la formalisation. Le but est d'atteindre 35 à 40% de représentation femmes au RCS à l'horizon 2016-2017. Donc, c'est ambitieux, mais il faut quand même y croire pour qu'on puisse y arriver. Les bénéfices de la formalisation pour l'autonomisation de la femme. D'abord, par rapport à la couverture maladie, comme je le disais, par rapport à la pension retraite, la CNSS a mis à leur disposition, donc avec l'impulsion bien sûr du ministère du Travail et de la réforme administrative, la nouvelle CMU, la couverture maladie universelle, mais aussi le fait d'ouvrir, si vous voulez, cette couverture aux travailleurs indépendants. Elles peuvent non seulement, quand elles tombent malades, de bénéficier des soins, elles peuvent aussi, leurs enfants peuvent bénéficier des soins. Quand elles sont dans l'incapacité de voyager, elles peuvent toujours donc bénéficier de tous ces résultats que le gouvernement leur a offerts. Le fonds de développement, quand elles se formalisent, elles peuvent accéder plus facilement au crédit auprès du fonds de développement économique de Djibouti, d'où, je vous disais, la forme juridique la plus adaptée pour bénéficier de ces crédits, c'est la personne morale. Personne morale, on entend par SARL, S-A-E-U-R-L. Les structures publiques et parapubliques mises en place pour faciliter l'entrepreneuriat. Donc il y a la Chambre de commerce de Djibouti, l'une des plus anciennes institutions, les plus prestigieuses, si je peux me permettre, qui accompagne tous les entrepreneurs et au préalable, et en amont, et en aval, et pendant la durée de création de société. Ils sont constitués sous forme d'associations, comme le disait donc Mme Magda tout à l'heure, et je pense à la même chose, ce que l'a dit la ministre de la Promotion de la Femme, justement, c'est vraiment la femme qui représente le plus l'image de l'entrepreneuriat féminin à Djibouti avec Mme Chikmet Daoud. L'Agence nationale de promotion des investissements, l'Hôtel des impôts, le Fonds de développement économique de Djibouti et le DEPIC. Les étapes préalables à la création d'entreprise. Donc il y a d'abord la phase d'élaboration. La Chambre de commerce est là pour justement appuyer toute cette phase-là à travers aussi le centre de gestion agréé qui est dirigé par une femme, donc Mme Caffier qui est là, et l'Agence nationale de la promotion des investissements. Il y a aussi l'étape de la forme juridique, le choix que une personne pourrait choisir, à travers notamment les avocats, les notaires, les huissiers, tous les métiers de justice qui peuvent aider notamment les femmes à pouvoir choisir la forme juridique la plus adaptée. Et enfin, donc la recherche de fonds, c'est le Banque de la Place, mais aussi la Banque publique ou parapublique de l'État, qui est le Fonds de développement économique de Djibouti. Quant à la facilitation pour la formalisation d'une entreprise, il y a beaucoup qui pensent que c'est le parcours de combattant, mais ce n'est plus le cas. Depuis certaines années, les étapes se sont vraiment raccourcies. On est passé de 11 étapes répertoriées par Doing Business à 3 étapes dans un délai de 72 heures. Donc la première étape, donc, c'est le DEPIC pour le nom commercial, pour l'immatriculation. La deuxième, donc, c'est l'enregistrement à l'Hôtel des impôts, notamment pour l'enregistrement des statuts et aussi pour l'obtention du NIF et de la patente. L'enregistrement des employés, donc, auprès de la CNSS. Bientôt, Inch'Allah, il y aura donc le guichet unique, un lieu, un jour, une étape. Et tout ça, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus pratique, beaucoup plus facilité pour les femmes notamment. Il faut souligner, et j'en félicite, je tiens à remercier aussi le ministre du Budget pour cette agréable initiative, c'est de mettre à disposition des jeunes, notamment des femmes, une patente gratuite pour tout créateur d'entreprise de moins de 30 ans, qui a été donc soulignée et validée par la loi de finances initiale 2015. Nous l'en félicitons et merci beaucoup, monsieur le ministre.
l'accès au crédit, il y a un vrai défi par rapport à l'accès au crédit, une vraie disparité que vous allez constater tout de suite. Quand il s'agit de microfinance accordée, la plupart de l'institution qui est au créneau, c'est la CEPEC, qui accorde sur 17, vous voyez en 2013, il y a eu 17 920 crédits accordés par la CEPEC, dont les bénéficiaires étaient 88% de femmes, seulement 12% étaient des hommes. Là, nous les en félicitons quand il s'agit de la microfinance. Mais quand il s'agit du fonds de développement, qui, donc les taux sont beaucoup plus élevés, malheureusement la tendance est inverse, 85% des crédits accordés par le fonds de développement vont vers les hommes, seulement 15% vont vers les femmes. Nous trouvons ça malheureux, mais je pense que grâce au ministère de la Promotion de la Femme, nous pouvons, si vous voulez, demander, recommander, si vous voulez, une discrimination, une politique de discrimination positive envers les femmes. Maintenant, la seule chose, c'est peut-être de comparer par rapport au dépôt de demande, combien sont validés pour les femmes et combien sont validés pour les hommes. Je pense que c'est un travail que nous devrions faire et pour avoir beaucoup plus, une image beaucoup plus claire par rapport à l'accès au crédit. 296 projets financés par le Fonds de développement, de 2012 à 2014. Donc la comparaison est là, comme je vous le disais, quand il s'agit de microcrédit, les femmes sont plus bénéficiaires. Dès qu'il s'agit d'un montant plus élevé de 5 millions, c'est les hommes. Quels sont donc les principaux obstacles qui freinent l'autonomisation des femmes? Donc nous avons relevé, justement grâce aussi à la politique nationale genre, une faiblesse à l'accès des femmes à l'information, taux de déperdition scolaire élevé chez les jeunes filles, un manque de confiance en soi de la femme ou de la jeune fille, une surcharge de travail de la femme et de la jeune fille, particulièrement en milieu rural, une fausse croyance religieuse, socio-culturelle, relevant la femme au rôle de mère au foyer. Là, la terminologie, si vous voulez, quand on parle de fausse, c'est vraiment fausse croyance, parce que ni la culture, ni l'islam n'interdit à la femme de commercer. L'exemple qui est le plus révélateur, c'est Sitana Khadija, qui s'est résolue donc à déployer des efforts, la première épouse du prophète, qui s'est résolue à déployer des efforts pour accroître sa richesse avec le concours de son père et celui de certains hommes auxquels elle avait confiance. Elle investissait son argent au point de devenir une femme très riche et très digne. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de cette grande dame, la première épouse du prophète, avec qui elle a eu 6 enfants, c'est d'abord de privilégier l'autodépendance. Donc l'autonomisation des femmes dans l'islam est une notion déjà très antérieure et qui a débuté avec l'islam. C'est l'autodépendance pour accroître la richesse, l'importance de l'investissement des capitaux dans l'accroissement et l'absence de trésors et la nécessité du recours aux experts. Donc, quant aux perspectives, les perspectives et les actions à court, moyen et long terme, comment augmenter la représentativité des femmes dans le milieu des affaires? Donc, c'est quelques prémices, si vous voulez, de réflexion qui ont été faites. Tout d'abord, donc, il y a dans la politique nationale du genre 2011-2021 des perspectives à moyen et long terme, dont l'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, d'intégrer les femmes dans les secteurs d'activité et d'éliminer toutes les formes de discrimination. Je rajouterai même voir des discriminations positives dans certaines institutions, notamment d'octroi de crédit. Quant aux perspectives à court terme, comme le disait la secrétaire générale de l'UNFD, il y a donc une antenne nationale Djibouti pour les réseaux de femmes comme du COMESA, qui est au sein du siège de l'UNFD. Donc il y a un nouveau projet en partenariat entre l'UNFD et le DEPIC, c'est dans la première composante et donc un appui technique au montage de projet. Nous avons constaté que quand même les femmes ont des idées, elles ont du mal, si vous voulez, surtout les sortantes de l'université les plus jeunes, à monter un projet, à faire un business plan, à avoir un conseil juridique pour savoir quelle forme juridique adopter, etc. Donc nous avons mis un fonds annuel, si vous voulez, de 67 000 $ pour 2015 sur fonds propres au DEPIC pour qu'elles puissent justement avoir un montage de projet en bonne et due forme dans tous les secteurs d'activité qu'elles souhaitent et qu'elles puissent accéder beaucoup plus facilement au crédit. La deuxième composante, donc, c'est qui est gérée essentiellement par le réseau des femmes entrepreneurs, c'est faire valoir les produits des femmes entrepreneurs djiboutiennes dans le marché du COMESA, notamment l'artisanat, la couture, l'alimentation, mais aussi de partager les expériences des femmes d'expertise entre les Djiboutiennes et les autres femmes du COMESA. Femcom, donc, comme je le disais, je ne m'attarderai pas, déjà la secrétaire générale a déjà souligné, c'est donc la Fédération des associations nationales des femmes entrepreneurs du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Il s'agit donc d'une structure supranationale dont la vocation est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et donc d'améliorer la situation économique des femmes dans les pays du COMESA. Toujours dans les perspectives à court terme, donc l'objectif est d'augmenter la représentativité des femmes dans l'entrepreneuriat.
les objectifs spécifiques, c'est augmenter le pourcentage de femmes gérantes d'entreprises, contribuer à l'autonomisation des femmes, lutter contre le secteur informel. Problèmes et contraintes à surmonter, donc le manque de motivation des femmes à suivre toutes les étapes pour la formalisation de leur projet, des préjugés et stéréotypes dans le manque à gagner quant à la formalisation d'un projet. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment des stéréotypes, mais la femme a beaucoup à gagner en se formalisant. Donc, augmenter de 15% de femmes gérantes d'entreprises dans le registre du commerce en 2015 pour atteindre 30% sur le total des créations d'entreprises. Notamment les composantes, donc ça serait le renforcement des capacités institutionnelles et techniques, l'assistance technique et la formation et le plaidoyer. En conclusion, tant qu'il y a une volonté politique, tant que la société civile, à travers donc les sociétés civiles qui luttent pour la situation et la promotion de la femme djiboutienne, tant que le gouvernement a toujours un ministère dédié à la promotion de la femme, quand la synergie existe, avec les partenaires bien sûr au développement, avec les bailleurs, nous pensons que tant que cette synergie existe, tout devient possible pour la femme djiboutienne. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame Oulufo Ismaël. Là, on va attaquer les interventions des panélistes sur l'entrepreneuriat à Djibouti. Et j'invite Madame Hikmat Daoud, directrice générale de la CGMR, à décrire son parcours professionnel. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Madame la ministre, Messieurs les ministres. Je n'entends rien. Ça va? Vous entendez? Hein? Madame la présidente de la Chambre de commerce, par intérim, mesdames et messieurs, les jeunes étudiants ici présents, est-ce que ça marche? Oui. Alors, là, fantastique que le parcours de n'importe quelle femme ici présente. Women can find jobs in. Cherchez pas parce que vous êtes des femmes à être aidées ou qu'on vous traite autrement. Vous voulez l'égalité des sexes? Eh bien, ne cherchez pas qu'on vous traite autrement. Que ce soit clair. C'est aussi clair que ça. Il y a une quinzaine d'années, le taux des femmes dans le secteur privé était autour de 26%. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être au-delà. Nous représentons 50% de la population. Nous avons droit à l'éducation. Vous avez la même éducation au sein de vos familles, entre garçons et filles. Vous n'avez pas connu ce que nous avons vécu à notre époque, où il y avait cette disparité à la racine. C'est-à-dire d'abord les hommes, ensuite les femmes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est derrière nous. Vous pouvez créer vos entreprises. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse du favoritisme. Vous ne pouvez gagner et avancer que par le biais du boulot. Au travail, le travail et le travail. On peut vous accompagner. Vous pouvez aller dans des structures comme la Chambre de commerce ou le patronat que je représente à Djibouti, la CNED, pour demander le conseil. On est là pour vous aider. Ficelez votre business plan, allez de l'avant, les instruments financiers sont à votre disposition et vous avez une chance pour avoir.
ça ne peut passer que par le secteur privé. C'est une chose. Vous êtes à toutes les instances. Nous sommes à toutes les instances. Vous voyez bien le panel des femmes ici présentes. Nous n'avons plus rien à demander. Il suffit seulement qu'on avance. Nous avons pris. On ne nous l'a pas donné non plus. Hein. D'accord, ce n'était pas un cadeau. On avait pris, on a avancé. En tant qu'ancienne dans les affaires, le parcours a été, faites l'expérience. Vous voyez, quand vous prenez votre dossier, vous êtes étudiant, vous cherchez du travail. Le premier handicap que vous avez, c'est l'expérience. On vous dit que vous n'avez pas d'expérience professionnelle. C'est ça? Dans les affaires, c'est pareil. N'allez pas avec un business plan où vous devez investir d'emblée 100 millions. Commencez petit pour acquérir votre expérience. C'est le conseil que je vous donne. Vous allez au départ peiner, ramer. Mais vous allez acquérir une chose, l'expérience. C'est très important pour les affaires. C'est le conseil que je peux donner aux jeunes. Vous savez, le secteur privé, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est une telle liberté où vous n'avez pas de chef. Vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est important. Ce qui me désole dans la salle, c'est que je vois un panel de jeunes étudiants, tous ici présents. Pourquoi vous vous séparez lorsque vous vous asseyez déjà? Pourquoi faites cette différence? Les femmes de côté, les hommes de côté. Pourquoi? Vous êtes tous des collègues, non? Vous êtes dans la même classe à l'école. C'est une timidité? C'est quoi? Mélangez-vous. Tenez-vous la main. Mais oui, mélangez-vous. Mais oui, demain vous êtes les épouses, les mères. Vous avez des frères. La femme doit travailler deux fois plus parce qu'elle est aussi responsable de la famille. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la femme en disant qu'en aidant la femme, on aide le 2/3 de la population. Mais on peut aussi aider les hommes. Ils ont aussi besoin d'aide. Ils n'ont pas eu de favoritisme. C'est nous qui acceptons. C'est nous qui le donnons. Donc le problème, il est à la racine, au moment de l'éducation. C'est la mère qui éduque les enfants. Donc c'est elle qui fait ce favoritisme. Faites attention. Voilà, mettez-vous au travail. Si vous ne voulez pas que vos sociétés soient mornées, surtout, ne confondez pas votre chiffre d'affaires avec le bénéfice. Travaillez beaucoup. Je passe la parole à... Merci beaucoup, Madame Fatma Daou. Je veux passer la parole à M. Marc-Pierre Ibrahim, co-animateur, qui va faire une synthèse de vos propos. Merci. Merci, Madame Chougri. Madame Fetmat a oublié de signaler qu'elle est présidente de la commission des entrepreneurs. De la Confédération nationale des employeurs. Des entrepreneurs du Roussien. Et donc, l'exemple effectivement de la femme au plus haut niveau, effectivement, c'est un exemple concret. Nous avons Madame Magda qui est présente. Donc nous voyons effectivement que la présence de femmes, l'activité des femmes au niveau économique est une réalité à Djibouti. Madame Magda l'a bien souligné, effectivement, lorsqu'elle parlait qu'il n'y avait aucune entrave normative en termes de normes au niveau de la réglementation, qu'il n'y avait aucune entrave au niveau
culturel, mais que socialement, il y a effectivement des entraves qui empêchent la femme effectivement de prendre pleinement son rôle. Et lorsque effectivement 50% de la population est constituée de femmes et qu'un tiers seulement une activité économique, ça montre un peu effectivement le retard dans lequel nous sommes. Et effectivement, ces défis concernant la femme n'est qu'un défi sociétal, dans la mesure où effectivement, dans une société, l'ensemble de ces différents participants doivent effectivement prendre part à l'essor social, économique, culturel, scientifique et autres. C'est effectivement des défis qui sont sociétaux. Et comme effectivement Hekmat. Hekmat l'a si bien souligné, le travail effectivement des femmes l'effort des femmes pour effectivement arriver au plus haut niveau, effectivement, est un travail quotidien qui dépend d'un travail personnel continu au quotidien, et qu'effectivement, il n'y a aucun, effectivement, même si on peut parler effectivement d'une discrimination positive, qu'il n'y a aucune effectivement faveur pour arriver à ce niveau. Et ce sont des gens, c'est le travail personnel. Quelque chose qui est un peu oublié dans ce débat, c'est le rôle de l'éducation. Elle m'a dit assez bien dit, effectivement, que je pense que c'est la bienvenue des enfants, hommes comme femmes, qu'effectivement, c'est la vie, effectivement, de dire qu'il y a effectivement un a priori homme. C'est un a priori homme qui doit être effectivement élevé par l'éducation dans la mesure où la République effectuée durant les années 2000, il y a un effort constant qui est celui de l'éducation. Et effectivement, c'est à l'école primaire, est-ce que je veux intervenir, ou bien au collège, qu'on doit effectivement initier l'entrepreneuriat au lieu de laisser effectivement ce qu'ils appellent l'entrepreneuriat au niveau de l'université. Docteur, si vous permettez, je vous interromps juste, est-ce que pour la dynamique du débat, peut-être laisser intervenir chaque panéliste, et ensuite, merci. Merci beaucoup. Là, je vais passer la parole à Mme Khadija Barhami, directrice de l'entreprise Abon Construction. Salam alaikum. Allah hamdi gula hamdi yaq Somali. Language kuldo English. Mas Somali hamdi English. You can speak English, because the traduction of that. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وعن أكرم هذه العلمية نستغل بسكوتين كنتي حسنا برف الدول وحسن دمرا بدم دعك فرنا قد بستي سيف الجو قادي لحي نصيصينا نرغد من الحمينة نصيصي دريق أمري لحي بركة وحان أنو أنا دي لحي دمرا وحان أول كشغي جرنا وكبدنا waxaan lagu soo kariyay waxay ahayd shashaari waxaan sarifnaa marka aan ku waxaan rabnaa inaan adduunyada la jaanqaadno oo siday dumarku ahaayeen siday adduunyada kaleba tahay aan daba kacno maanta waxaan odhanayaa adduunyada haddaan sheego maanta inaaman afrikada qaarkeed aan ka horumar leenahay maanta waxaa lagu odhanayaa magaalada jibuuti baan mushtarka ugu lacag badan maanta waa naag ma hanin waynaan nilo fadhigaa imigaad macnaysan doonayn hadda waa horumarkaan doonayna inaan gaadno aan dhawaanada maantaasan layidhi ha la waaniyo dumarka wax weeyaan inaan wada shaqaysano inaan isgargaarno annagu hadhow waan gaboobaynaaba waan dhimanaynaa halka wixii la hadhi lahaa dee waa dalinkaataa fadhida ee naga yaryar dariiqii aan marnay dariiq ka fiican inaan maftiin baan doonaynaa maanta dariiquna waxa weeyaan inaan la isgargaarsado annaga waad la daantiin waxwaad wala barateen jaamacadaad ka soo baxdeen ruqsadaan maanta haysatiin annagu ma haysa
Merci beaucoup, Madame Khadija Bachadou. Je passe la parole à Hubert Bacha, directrice générale de la Bacha Travel Agency. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellences, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs le Parlement, distingués invités, chères sœurs, chers frères, bonjour. Je vous remercie et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Dieu de nous avoir créés, nous les femmes. En tant que mère et femme d'affaires, d'une agence de voyage et d'un centre de beauté, je suis capable de travailler dans un domaine que j'aime beaucoup. Il me suffit juste de mettre en œuvre mes idées, de travailler directement avec les clients et de regarder prospérer mon business pour obtenir une satisfaction personnelle. On s'est réunis aujourd'hui pour échanger d'expériences et tirer un bilan des avancées en matière d'entrepreneuriat féminine et le développement économique. La femme djiboutienne doit être le moteur qui impulse le développement du pays et qu'elle participe aux deux pas sur le défi régional et mondial. Les femmes ont chacune quelque chose à partager. C'est de cette synergie qu'on devrait promouvoir les droits des femmes présentes à cette rencontre, une facilité d'accès à la formation d'entrepreneuriat permettra le développement harmonieux de la femme au sein de la société. En fait, être une femme chef d'entreprise à Djibouti signifie faire preuve d'un grand courage face aux aléas des affaires et du goût du risque à pouvoir créer sa propre société, avoir à la fois la capacité et les compétences doublées d'un sens pointu, des responsabilités dirigées et aussi assurer au maximum son leadership. L'entrepreneuriat féminin, l'un des principaux aspects de l'autonomisation économique des femmes. J'ai représenté les femmes d'affaires juridiciennes dans le forum économique de la région et international. Que ce soit l'Assemblée générale annuelle du forum des affaires IGAD et le forum des affaires du COMESA et le francophonie des femmes d'affaires à Kinshasa. Dans ce forum des femmes d'affaires, je me fais le porte-drapeau à Djibouti pour évoquer les confrontations quotidiennes aux procédures administratives pour le développement des affaires féminines. Les femmes djiboutiennes, nous sommes dynamiques et fortes de leur expérience de terrain. Elles ont le potentiel et les capacités d'être à la tête de véritables structures d'affaires compétitives et durables. Dans cette perspective, des importantes lignes directrices se dégagent. L'accès aux ressources financières, la sortie du cadre informel pour accéder à un cadre légal et technique. Les avantages que j'ai envie de partager avec mes sœurs ici, c'est de les inscrire dans un cadre légal et économique, accéder à un encadrement technique, atteindre à certains types de formations professionnelles, entrer à des secteurs traditionnels et réservés aux hommes, les prix Nobel des femmes d'entrepreneuriat. Les entrepreneurs djiboutiennes rencontrent beaucoup d'obstacles tout au long de leur parcours entrepreneurial. Les obstacles identifiés concernent l'accès au financement restent sans doute le plus grand obstacle pour les femmes entrepreneurs. Les obstacles qu'on rencontre aujourd'hui sont l'accès au réseau de soutien, difficultés financières, manque d'informations et d'organisation, beaucoup de femmes manque de soutien pour une création d'une société, difficulté d'accès au crédit bancaire, faiblesse de revenus féminins et une mauvaise gestion. Je recommande aujourd'hui à mes sœurs ici présentes, j'encourage les femmes commerçantes de sortir du secteur informel pour puissent accéder à beaucoup d'opportunités. Je leur conseille d'être positif, rémotif et avoir de nouvelles idées.
être capable de travailler dans un domaine qu'elle aime beaucoup. Créer un réseau de soutien, des possibilités continues de croissance pour atteindre les objectifs de développement de l'entrepreneuriat. Djibouti a connu ces dernières années avec l'arrivée des femmes dans le milieu des affaires. C'est ce qu'on pourrait appeler une petite révolution. Je sais que nous avons presque arrivé à réaliser nos rêves. Notre vie sociale sera mise à l'œuvre en certains moments. Cependant, pensez toujours à votre objectif et sachez que cela fait partir du cheminement vers la réalisation de vos rêves. Je souhaite que chaque femme puisse profiter d'une occasion comme celle-ci pour s'inspirer des gens merveilleux, encourageants et affectueux. J'ai trois idées que j'ai envie de partager avec mes sœurs ici présentes. La création d'une association de femmes entrepreneurs à Djibouti. J'ai participé à beaucoup de forums régionaux. Tous les pays qui sont à côté à Djibouti, ils avaient une association de femmes entrepreneuriat comme ma sœur ici présente qui est venue de l'Éthiopie. Cette association est très importante pour encourager l'entrepreneuriat féminin du pays. Elle mènera une activité de lobbying importante, voyages d'éthique et de recherche et des ateliers, rencontres d'affaires et des séminaires, réalisera leur participation dans le départ d'affaires. Networking international et régional, elle va nous aider, cette association va aussi nous aider marketing et communication, formelle pour accéder à un cadre légal et technique. J'encourage le développement des activités économiques de femmes contribuent à la croissance économique et offrent des opportunités d'emploi. Ma troisième idée, c'est la création d'une banque familiale gérée par des femmes d'affaires. Cela va faciliter l'octroi de crédits bancaires pour les femmes d'affaires et de promouvoir et protéger l'artisanat féminin national et encourage toute femme susceptible de créer une entreprise soutenir la promotion des petits métiers. La troisième idée, c'est de créer une compagnie aérienne nationale gérée par des femmes d'affaires. Cette compagnie va mettre en œuvre une vigoureuse politique touristique. La compagnie aérienne offrant des vols ponctuels à des prix abordables. Un mouvement consistant à déplacer des passagers par la voie aérienne, l'autonomie des transports aériens et national, la facilitation des connexions entre les pays de la région et international. Avant de clore mon message, j'aimerais mettre en charge le pouvoir incroyable que Dieu a donné à la femme. Un pouvoir qui lui permet de concilier en même temps les fonctions de la mère de famille, étudiante, employée à plein temps et femme d'affaires. Je vous remercie tout votre temps. Sachez, chères sœurs, vouloir, c'est pouvoir. Si on veut, on va arriver. Et il faut toujours prendre les risques. Il ne faut jamais avoir peur de prendre les risques. Des remerciements et une reconnaissance particulière vont au leadership de Son Excellence Madame Hasna Barhat, qui a organisé cet important événement. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Encore une fois, merci de votre attention. Merci beaucoup, Mme Hugo-Bacha. Je vais passer la parole à Mme Hugo Ousmane, secrétaire générale de la Chambre de commerce, pour complément et pour information. Merci. Bon, merci, Choukri. Moi, j'aurais préféré parler après tout le monde, mais je donne la parole à... D'accord, parce que comme je ne suis pas femme d'affaires, je suis secrétaire générale de la Chambre de commerce, j'aurais présenté un peu les services que la Chambre offre aux femmes au même titre qu'aux hommes. Donc je préfère peut-être laisser parler Madame Ndegue. Voilà. Good morning. I'm not lucky because I didn't hear all the speech. Because there's no translation, only I have two participants. I came from Ethiopia, and the Bay Shetty,
I'm the president of Women Entrepreneur Association in my country. They called the gift of this for yesterday. I didn't have full information. When I have full information, I brought some experience from my country, but I'm the founder of Ethiopian Women Entrepreneur Association. I know everything, it's on my heart. On this case, I will brief everything as much as possible. I don't know, all of are listening English. When there is a translation, please, I will ask. Yeah, because this is our world, especially women world. Yeah, we are changing the world. Women changing the world. Don't afraid men, because we are together. We are hand by hand. In this case, when I start from my country, my government is federalism. Before 12 years, they organized Minister of Trade, Industry, and Minister of Women's Affairs together to establish women entrepreneur regional level. On regional level, they establish, we have 9 regions and 2 municipalities. We have 11. On this area, they organize only 5 regions. After that, 2012, we form Ethiopian Women Entrepreneur Association. Ethiopian Women Entrepreneur Association, we formed 13 big associations, including Disabled Women Entrepreneur are one association. In this case, we have now big 13 associations in our country and 72 branches and 42,000 women in member of this association. What does they give? The association give two strengths, the regional association, this the umbrella, and the branch of this association are given for their members in different kind of problem in business area, like working premises, land, and market, and finance. They organize, still now, we are working with our government, they are helping, and they give support for us in GDP. Our members are 51 women are in our country, 51% than men. We have of these 35% are on business. In this case, these women are not engaged large level, they are medium and small and micro. All this association includes micro and medium and large. We have last time before 15 days, one branch came here to do exhibition with Djiboutians women. She was the president of Women Exporters, Women
Association, Mrs. Hadia Mohammed Gunji. Some of you know her. And she came here to organize, still yet she started to come. And this association will be strong. They can export everything from their country and import. Our association also give some experience for others, others country like Somaliland, like Sudan. We give and we did last time they start here is IGAD office, I know, but Mrs. We met yesterday, Mrs. Forget her name, excuse me, she started to organize IGAD business platform, but they didn't finish. When I asked yesterday, they didn't get fund. But we don't want fund to organize. In ourselves, we will be start now. We start again from Djibouti and Ethiopia. We will together and we will organize and we will establish East African Business Women Platform. Because we are always in poverty. When we raise our poverty, most of our women are in poverty. But we will destroy together with our brothers. With our brothers we will destroy and we will engage. Africa will be shining, especially East Africa will be shining like economic empowerment, men or women. On this case, I will give some experience from my country. Do you know, before we have height in our home, in my country, but in this government, we are in front of the lie. Our government give support for us, especially women. We raise our hand and we struggle because our product will be cannot sell with us. Our product will be hide. Men or other person can sell our product. Our product will be hide in our home. In this case, we start with our country government. My country government, he gives support. Women affairs, they stand with us. Trade minister, they stand with us. Custom, they stand with us. And every information, foreign affairs, they stand with us. Others ministers. Also, in our legal, they put women to support. To support, but some English. On this case, the Minister of Trade gave law for us. Yearly, Men's of Women Entrepreneur, March Men's of Women Entrepreneur. We celebrate all March Men's of Women Entrepreneur. What did we do in this Men's of Women Entrepreneur? We prepare or we organize exhibition, trade fair, bazaar, and also panel discussion. The problem of women entrepreneurs.
we call the government. This custom law does not work with us. Please brief for us. Also, we ask the trade law. We ask the border. We ask everything. We ask the government, and we discuss. They can raise everything with our legal framework, and we will discuss. This is for us big deal. Big deal. Do you know? In yearly, we can discuss every problem in our site. We have financial problem, we have land problem, we have working premises, we have network problem. We will discuss everything. And they can answer as much as possible. But we, in women's side, we are new line. It is difficult to, they know, our women, they know in their heart, but they afraid their culture will be before they went outside. In this case, they'll be afraid to talk everything behalf of on their business. In this case, in this sixth branch, we establish our micro saving in ourselves. The National Bank give permission for us in six region. They can save and they can mend their own association. You understand? They can mend a small amount of small amount of collateral, small amount of money they can rent, they can pick and they turn back. It will be recycled, their own association. In this case, also in South region, in South Ethiopia, we establish microfinance and microinsurance. It's difficult, it is different, not saving. They are saving, also they have microinsurance and microfinance. They have four branches they can do on their business. When they fail their business, they can give some some insurance for them. On this case, for not yet, not enough, but they start. Also, last time we start with Hebo. Hebo, I know her in Kenya, in Uganda, in Sudan. We organize IGAD business platform. Should I stop? You didn't listen? What? No. Right? It's difficult, my English. No? Especially young students, they are listening. They are good listening. Yeah, that's good. Especially we organize, we do network to Somaliland. We did sign to do network to exchange their product from Somaliland to Dredor.
and Jijiga Harari, they did sign through IGAD. Also in south, in the north, Amhara region, they signed with Sudan business women. We start this. Also, yeah. Also, do you know our government give for us a good opportunity to lead our economic by our own self? But in this, now in this world, it is very globalization. We don't have enough knowledge. In this case, we start to collaborate with university. And we did sign with university. Each university can give support like computer training. Also, they can give some business they can do through our university. We have 13 universities. We start in this year. That is good for us. In this, in the third level, our first lady, she start to give to take this leading business women to encourage to be like productive, like to industrial or to enter, not to give service only, to enter industrial area. And she trained 1,500 women, and she can give support for us, our first lady. And one association, Alliance, he can export to American market, US market, AGWA, through AGWA, and they can add more than six items, and she can give support for us. Also, we have my colleagues, she raised a bank of women. We have mother bank. We open, you know or no? You don't know, but 13 women, the owner of the bank, 13 women are discussed and they open women's bank. Because of this women's bank, in business area, do you know, it's difficult to be openly discuss to do business plan. But when they open this bank, they can give support with through together business plan for our women. Do you understand? Yeah. On this case, it's big deal for us. Our young students, you can take experience from this. Because what is the gap of Djiboutians women entrepreneur? What is the gap? In your lesson, you can meet assessment to do what's the gap. The gap really finance, really the gap of knowledge, really the tradition, really the political. You can
you can see. In our political, do you see, in this year we have election. We are lucky. We are three women's business leaders are three women's are enter to parliament. Business women. In this case, our country give for us everything, and I will say thank you for Chamber of Commerce. Services qui sont offerts aux entreprises par la Chambre de commerce, ils sont de deux ordres. Ils sont d'abord la défense des intérêts des entreprises, c'est-à-dire quand des entreprises, que je ne dis pas une, mais un groupe d'entreprises par rapport à une activité donnée ou un secteur géographique donné rencontre des soucis divers, que ce soit avec l'administration ou avec d'autres institutions, ils ont la possibilité de solliciter l'appui de la Chambre de commerce pour essayer de trouver des solutions avec les administrations concernées, pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. L'autre aspect de l'intervention de la Chambre de commerce, c'est la mise en place d'un certain nombre de services d'accompagnement, d'appui. Ces services sont du domaine de l'information, d'abord, information sur des entreprises ou des partenaires étrangers, le rapprochement d'entreprises qu'on appelle. C'est si une entreprise djiboutienne souhaite entrer en contact ou importer ou avoir des clients à l'extérieur, ils ont la possibilité, à travers le service information de la Chambre de commerce, d'entrer en contact avec ces entreprises-là. C'est un peu comme ça qu'on a été en contact avec votre collègue ici présente de l'Éthiopie, mais c'est aussi la possibilité que nous offrons aux entreprises djiboutiennes de pouvoir entrer en contact avec des clients partout dans le monde. Et puis, ces entreprises-là nous écrivent aussi régulièrement lorsqu'elles sont intéressées par le marché djiboutien, c'est-à-dire si elles veulent vendre des produits ou acheter des produits, elles nous écrivent. Donc, on a au sein de la Chambre de commerce une liste d'offres, de propositions d'entreprises étrangères qui souhaitent entrer en contact avec des entreprises djiboutiennes. Donc, vous avez la possibilité de venir et de pouvoir disposer de ce fichier d'informations. Bon, les informations, c'est aussi des informations statistiques de vos secteurs respectifs en fonction des statistiques disponibles à Djibouti. C'est des informations réglementaires, la réglementation de vos activités. Ils sont également de l'ordre de l'appui pour ce qui est l'information sur les marchés publics, les marchés de la région, surtout les marchés pour les projets de l'aide au développement. Nous avons eu la possibilité de faire des formations justement avec la Banque mondiale. Donc, le service information vous donne les moyens de pouvoir vous donner pas seulement l'information sur le marché, mais également vous appuyer pour la soumission à ces marchés. Donc, il y a cette possibilité également. Ensuite, nous avons un département formation
comme son nom l'indique, qui est là pour former des entreprises, mais également leurs salariés. Ces formations peuvent se faire à la carte, donc à la demande, mais il y a des formations classiques qui sont proposées de manière régulière. Ensuite, il y a le département centre de gestion agréé qui, lui, aide les jeunes, ou même moins jeunes, tout créateur d'entreprise, à monter son projet. C'est-à-dire, vous avez juste une idée de création d'entreprise, vous ne savez pas où commencer, comment faire. Vous venez au département, au centre de gestion agréé, donc vous avez la possibilité de monter avec eux votre projet, de faire votre business plan, les différents dossiers nécessaires pour la formalisation, mais également pour vous aider à mobiliser des ressources financières, et un accompagnement également possible pour vous aider à bénéficier d'appui des banques, que ce soit le fonds de développement avec qui nous venons de signer un protocole d'accord justement dans ce cadre-là. Ce département peut également vous accompagner à la demande pour mettre en place votre comptabilité, pour vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. Pour les jeunes créateurs d'entreprise, ce service d'accompagnement est gratuit. Donc, pour les deux premières années, ce département vous accompagne de manière quotidienne ou hebdomadaire gratuitement. Voilà en gros les services qui sont offerts à la Chambre de commerce. Par rapport à la problématique, mon conseil serait donc peut-être d'essayer de vous structurer, parce que même la Chambre de commerce ne peut pas intervenir sur des cas particuliers. Il faut toujours former un groupe, discuter entre vous, femmes d'affaires, de différents secteurs, et essayer de dégager une problématique commune. Peut-être une recommandation de ma part serait aussi de travailler ensemble avec les différents départements concernés par cette question de la femme. Je crois que ça touche pratiquement tous les départements ministériels, à mon sens. Et faire peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, malheureusement, c'est des chiffres sur lesquels s'appuyer pour pouvoir proposer des solutions. Parce que si on veut aller de l'avant, essayer de permettre à ces femmes d'affaires qui au départ ont commencé pour aider leur famille, pour avoir un petit plus, pour leur montrer qu'elles ont la possibilité d'aller au-delà, de développer leur entreprise et de devenir une force qui compte pour le développement du pays. Et pour ça, je crois que ce serait bien que nous puissions nous concerter et travailler ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je voudrais intervenir avant de céder la parole, d'abord pour remercier toutes les panélistes qui sont là, ici présents. We work together in many other fields, so I think that this field also will be very important to us to collaborate and to go forward to strengthen our brotherhood, I think. Ce que je voudrais un peu réagir sur... je me sers avant les autres, avant de céder la parole peut-être aux étudiantes et aux étudiants, mais également à mes collègues qui sont ici présents, et puis aux femmes entrepreneurs qui sont dans la salle également. Je vous incite vraiment à participer au débat. Je voudrais un peu réagir sur ce qu'avait dit Hikmat au début. Elle avait parlé de liberté. J'ai souvenir d'une expérience du secteur privé également, quand j'ai monté mon cabinet d'avocat. C'est vrai qu'on a une liberté, mais il y a également une forte pression et une rigueur que l'on doit s'imposer, et que tout patron et toute donc femme ou homme qui est donc patron de sa propre entreprise doit s'imposer, et que je voudrais rappeler à nos jeunes qui ont peut-être la fibre commerciale. Il faut vraiment s'imposer. Je crois qu'il a été dit quelque part, il ne faut pas confondre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes entrepreneurs au début ne réussissent pas et lâchent les ponts, je dirais. C'est qu'il faut s'imposer une rigueur. Et je me souviens que quand j'ai débuté mon cabinet d'avocat, je n'avais pas de salaire. Je ne prenais pas de salaire parce qu'à la fin de mois, il faut payer les employés. Et on crée du travail, on crée de l'emploi. Donc il y a une rigueur
rigueur à s'imposer. Et c'est ensuite, si on est rigoureux, si on s'attelle vraiment à la tâche et qu'on est sérieux, là on peut donc sur les bénéfices se payer. Et peut-être que le ministre du Budget va nous dire également les aménagements qui ont été faits pour que les bénéfices ne soient pas trop taxés et que encourager donc les jeunes entrepreneurs et entrepreneurs femmes. Et également, je voudrais dire, pour réagir à ce qui avait été dit également, le gouvernement, avec à sa tête le président de la République et tout le gouvernement, œuvre vraiment pour faciliter la création des entreprises, car c'est, le chômage ne peut être combattu que par ces créations d'entreprises et de développement du secteur privé. Et notre invité d'Éthiopie avait dit que tout est facilité, et je voudrais dire également à Djibouti, nous avons une première dame formidable dans tous les domaines, pas seulement dans le secteur privé, mais dans tous les domaines qui concernent la femme, qui est là, qui au jour le jour est présente, peut répondre à toute sollicitation pour répondre à débloquer les portes pour toutes les femmes, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine, n'importe quel domaine, de l'éducation. Elle est là et pour répondre à nos sollicitations et répond personnellement aux demandes presque privées de nos femmes. Et même dans le domaine sportif récemment, quel encouragement elle a donné à nos jeunes sportives, nos footballeuses féminines. Donc véritablement, je parle aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans le secteur privé. Tout est là, le cadre juridique, légal. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Et on parlait des femmes dans le secteur informel, et je voudrais juste mentionner la femme, l'épouse du conjoint du commerçant. C'est un statut spécial qui, même dans d'autres pays occidentaux, a mis du temps à émerger. Pour reconnaître le statut du conjoint du commerçant, même en France, en parlant du droit français qui est proche du nôtre, ce n'est que dans les 20 dernières années qu'on a reconnu un statut à l'épouse du commerçant, en lui donnant donc des avantages pécuniers, parce que ces femmes qui travaillent auprès de leur époux ou bien qui tiennent l'économie familiale, elles travaillent dur et en général après finissent dans la précarité. Je crois qu'il y a des statuts comme ça sur lesquels on doit se pencher, de femmes dans le secteur informel ou bien autre. Et je crois que les étudiants également, l'université que nous avons sollicitée pourra, comme le disait la secrétaire générale de la Chambre de commerce, le gouvernement, l'UNFD, donc, qui a ouvert ce bureau de Femcom et également qui fait des permanences avec les parlementaires qui sont là également pour accompagner les femmes. Je crois que tout est là pour créer cette synergie, et donc cette conférence ne doit pas être une conférence de plus. Nous devons véritablement prendre des recommandations pour créer une institution qui va suivre avec la Chambre de commerce, qui, je pense, la Chambre de commerce, le ministère et UNFD, nous pouvons véritablement aller de l'avant dans ce domaine. Je vous remercie et je demande de céder la parole aux étudiants. Alors, ma collègue Zara qui va parler. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Ulufa nous a présenté tout à l'heure. Une des raisons qui m'a fait réagir, c'est que je ne voudrais pas qu'on oublie. Aujourd'hui, on a un type de femme entrepreneur devant nous, mais je ne voudrais pas qu'on oublie tous les petits métiers faits par des femmes. Ça commence par la vendeuse de beignets qui est devant l'école ou devant le centre de santé. Toutes ces femmes qui travaillent à la rue des Mouches, au quartier 1, toutes ces femmes qui travaillent devant leur domicile, à Valvala, dans le secteur informel, c'est aussi des femmes entrepreneurs à leur manière. Et je voudrais aussi qu'on leur rende hommage, parce que toutes les femmes n'ont pas vocation à devenir des grandes chefs d'entreprise. Parfois, et c'est l'exemple des femmes que nous voyons au quotidien, les femmes se lancent dans l'activité économique par nécessité. Lorsqu'un mari décède, lorsqu'elles n'ont pas accès de revenus, elles sont obligées de travailler. Elles le font par nécessité. Et souvent, lorsqu'elles occupent les petits métiers, elles le font aussi parce qu'elles manquent d'éducation. Et cela me ramène à mon deuxième sujet, c'est
le renforcement, quelle est la place de l'éducation. Aujourd'hui, nous voulons encourager les étudiantes, c'est la troisième ou quatrième génération, mais une femme éduquée, elle a plus de chances de sortir des formalités administratives, elle a plus de chances de lire sa comptabilité, elle a plus de chances demain, lorsqu'elle voyage à l'étranger, de dialoguer avec un partenaire. Renforçant l'éducation des filles. Je sais que beaucoup a été fait dans notre pays, mais je suis persuadée que la prochaine génération de femmes entrepreneurs qui vont venir dans notre pays, ce seront des femmes qui auront au moins un avantage comparatif par rapport à nos aînés, comme disait Hikmat, c'est qu'elles seront éduquées. Et ça, c'est très important. Au moins, elles ne subiront pas le handicap de l'analphabétisme. Et c'est une chose très importante. Le troisième point qui est important, madame de notre invitée d'Éthiopie l'a souligné, c'est le renforcement de l'empowerment des femmes. Comment aider les femmes entrepreneurs à se sortir ou à interagir, à profiter des réseaux de pouvoir, à profiter de tous ces réseaux dans lesquels se nouent les contrats qu'on donne aux entreprises, publiques ou privées. Comment aider ces femmes à s'insérer dans ces réseaux de pouvoir pour que demain, elles puissent être, non pas dire, on a une femme entrepreneur qui a eu un marché, mais beaucoup plus. Et que ça devienne quelque chose de naturel. Parce que les discriminations envers les femmes, parfois, l'État peut tout faire. On a l'égalité des sexes, on a l'égalité salariale, mais parfois, comme je disais, il y a des obstacles qui se situent dans les réseaux de pouvoir. Et si vous regardez les lobbies et les réseaux de pouvoir dans notre pays, ils sont en majorité dominés par les hommes. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut commencer à travailler sur cette association des femmes entrepreneurs qui doit justement casser ce monopole des réseaux de pouvoir et intégrer un peu les pouvoirs au niveau de la prise de décision. C'est que comme ça, lorsqu'on va casser un peu ce monopole, chers collègues, Baudet, Abdi, que nous allons arriver. Je terminerai par une recommandation. Nous travaillons beaucoup sur la problématique de l'emploi des jeunes et notamment la création d'entreprises chez les jeunes diplômés. Je voudrais lancer une idée à nos panélistes et aux différents conférenciers. C'est que nous avons une entreprise sur cinq dans notre pays, peut-être n'arrivera pas au terme des 3 années d'existence des jeunes, hein, les entreprises des jeunes, souvent parce qu'elles ne sont pas accompagnées. Donc, est-ce que c'est possible pour l'entreprise, une entreprise dirigée par une jeune femme, d'être accompagnée par son aîné qui est déjà dans le business depuis plusieurs années, qui peut l'aider, la soutenir moralement, mentalement, une sorte de tutorat pour que ces jeunes ne soient pas lâchés un peu dans la nature et puissent être encouragés au quotidien. Parce que c'est un encouragement dont elles ont besoin pour résister aux portes qui se ferment, pour résister à la déception des marchés qu'elles n'ont pas gagnés. Et je pense que la solidarité féminine dans le milieu de l'entrepreneuriat des femmes doit faire et doit avoir tout son sens et qu'on doit s'entraider pour que justement, comme je le disais au début, nous puissions casser ces réseaux de pouvoir dominés par les hommes. Merci. We plan to invite Djiboutian business women on September. Wow. Please help them and do give through Chamber of Commerce, and they can take experience. Not only Djiboutians, we assume from Uganda, Sudan, Kenya, and Somali, also our team, we meet together, and we finished, and I meet in entrepreneur, know there's opportunity seeking. I got an opportunity to invite all Djiboutian business women, also
We are lucky our association from 13, they asked to come to participate here. But before we said, no, before we invite, so our government, and after that, you can do network. Merci. Moi, je suis là en tant que ministre du Travail et je suis là pour encourager les jeunes qui sont de l'université de Djibouti à pouvoir créer leur propre entreprise. Madame Ouloufa Ismaël, donc, qui est directrice de l'ODEPIC, avait fait un brillant exposé ici pour vous montrer les différentes étapes de création d'une entreprise. Et aujourd'hui, comme l'ont dit d'autres femmes entrepreneurs, les conditions sont réunies, sont là, non seulement au niveau donc technique et pour la création d'entreprise, il y a le guichet unique qui vous permettra très bientôt de faire tout en un seul trait, en une seule journée, comme l'a dit Mme Ouloufa, mais aussi les moyens financiers à travers la deuxième des banques, comme l'a dit Mme Hikmat, et des fonds qui sont disponibles dès lors que votre projet est un projet viable et bancable, comme on dit. Je pense que sur ce volet, les jeunes doivent comprendre, donc, en sortant d'ici, qu'il y a des possibilités, et le fait d'avoir une ambition pour créer sa propre entreprise est quelque chose de merveilleux, mais il faut s'y tenir et il faut s'armer de patience une fois l'entreprise créée pour voir et essayer de grandir avec elle et au fil des années. Sur un autre plan, pour ne pas répondre directement donc à des intervenants, il ne faudrait pas confondre, à mon sens, espérer voir le rôle des femmes évoluer dans la société. Ça, c'est une longue lutte qui vient du 19e siècle, ça ne commence pas aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. Mais il ne faut pas confondre voir la pérennité des actions des femmes et, en même temps, imposer vous-même une sorte de ségrégation en espérant de vos voeux la création d'instituts donc exclusivement réservés pour les femmes. Je pense que ce ne serait pas intéressant. Les femmes ont besoin des hommes, nous avons besoin les uns des autres, et je pense qu'il ne faut pas nous exclure de votre marche en avant, Madame Zahra. Nous sommes là pour vous épauler. Nous sommes là pour vous épauler. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes là pour vous aider aussi, s'il y a la possibilité. Et nous, ça nous intéresse aussi que des jeunes femmes puissent réussir à la tête de leurs propres entreprises. Merci à vous. Merci. Bonjour, donc je vais essayer d'être succinct pour permettre effectivement la parole aux étudiants et aux participants. Donc je pense que le dédain du gouvernement très bien résumé la situation lorsque Mme Hassina a parlé effectivement de son cabinet d'avocats, les difficultés effectivement que cela a. Et elle nous a aussi aidé dans les montages de l'université en 2000, quand l'université a démarré. Et Mme Zahra a très bien rappelé effectivement que même si effectivement les femmes, les femmes chercheurs ou bien les femmes qui vendent des pays ne sont pas là, il ne faut pas effectivement que notre soutien se limite aux seules femmes qui ont réussi effectivement les logiques d'affaires. Donc globalement, les panélistes ont très bien souligné les difficultés que rencontrent les femmes entrepreneurs. Madame Hikmat a largement souligné effectivement l'effort du travail à fournir pour pouvoir réussir, et que ce n'est pas effectivement l'exercice qui est le plus important, mais c'est la durabilité, le fait effectivement que la personne puisse durer dans son activité. Donc c'est pour ça l'expérience est quelque chose de fondamental. Madame Khadija a parlé de son expérience de femme d'affaires. Donc, elle est propriétaire des Amazon Factory. Donc, c'est elle effectivement qui dirige son entreprise. Et une fois, effectivement, elle voulait demander un crédit à la banque. C'est l'intervention la plus longue. Donc, elle a souligné effectivement les difficultés que rencontrent les femmes dans l'accès au financement, dans l'information, dans l'organisation, dans les soutiens dans la formation. Et effectivement, elle avait émis
des recommandations concernant effectivement permettre aux femmes de sortir de l'informel et effectivement sur la capacité à travailler dans un domaine qui les intéresse. Elle a parlé effectivement des choses qui sont importantes, qui est le networking, pour effectivement avoir l'information, parce que à partir du moment où on a l'information, on peut décider. Donc c'est quelque chose de fondamental. Madame la représentante du secteur des entrepreneurs féminines en Éthiopie a montré effectivement le success story que leur initiative qui a démarré en 2012 a pu avoir sur. A pu impacter les entrepreneurs féminines, que de 13 organisations de la société civile, avec 72 branches, elles sont arrivées à avoir 42 000 membres. Et donc ça montre un peu effectivement le maillage qu'il faut effectivement pour permettre à l'ensemble de ces femmes de pouvoir effectivement aller de l'avant. Et donc les principaux obstacles, donc, que tout le monde a souligné, c'est l'accès au financement, l'accès à l'information. Madame Thibault de la Chambre des commerces a très bien souligné, la formation sont des choses essentielles, mais tout ceci effectivement n'est peut-être dépassé que si effectivement nous avons un système éducatif qui est inclusif, qui permet aux femmes effectivement dès le plus jeune âge de pouvoir intégrer l'enseignement, de renforcer la capacité, parce que c'est de la capacité des femmes qu'on peut effectivement permettre à cette moitié de la population éthiopienne de pouvoir jouer un rôle plein dans notre société. Et donc, je pense que les estimations sont faites que si les femmes actives participent à l'activité économique, cela permet d'augmenter le PIB de 5%. Donc, si effectivement on veut avoir un PIB meilleur, donc l'intégration et l'inclusion des femmes dans le développement économique est quelque chose d'essentiel. Si les étudiants ou les femmes entrepreneurs peuvent poser des questions, donc c'est un peu le moment. Je suis étudiant de l'Université de Djibouti en première année de droit. Donc, ce que j'ai constaté ici, c'est que je voudrais parler de la discrimination des femmes. Aujourd'hui, on remarque que les femmes ne sont pas discriminées, les femmes discriminent les hommes. Donc, ce que les femmes devraient savoir, c'est que sans les hommes, les femmes ne sont rien, et sans les femmes, les hommes ne sont rien. Donc, on est obligé de s'entraider mutuellement. Voilà. Donc, j'aimerais demander aussi aux femmes de ne pas s'écarter et de rester dans la foule. Madame Hikmat a posé une question, pourquoi les femmes ne sont pas avec les hommes? C'est bien à cause de l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mentalité à Djibouti que les femmes ne doivent pas être avec les hommes. Mais non, ce n'est pas interdit. Les hommes doivent être avec les femmes pour échanger. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Donc, ma question se dirige à Madame Hikmat. Que fait et comment fait votre entreprise pour promouvoir, partenariat des femmes, l'encouragement de l'entrepreneuriat des femmes? Voilà, merci beaucoup. Comment fait et que fait votre entreprise pour encourager les femmes à entreprendre, à devenir des futures entreprenantes? Vous savez, vous l'avez dit vous-même, hein, que les femmes, c'est elles qui s'écartent et qui se mettent de côté. Vous l'avez dit aussi que les femmes n'ont pas à avoir peur. D'accord. Lorsque une femme veut entreprendre une entreprise, tous les instruments sont l'entourent. Il faut qu'elle ose, le courage. Quant au conseil, si elle a besoin de conseil ou peut par l'entreprise en tant que présidente de patronat à Djibouti, nous pourrons, au sein de notre bureau, jeter un coup d'œil sur les établissements et l'aider et lui donner des conseils. Je pense qu'une femme qui veut, comme on dit bien le croyant, ce que femme veut, Dieu veut. Donc elles peuvent y arriver. Elles veulent réellement avancer avec leur projet, faire l'entreprise, elles peuvent y arriver.
Elles peuvent ne pas rester. Les échecs, ça arrive. Moi-même, lorsque j'ai démarré, j'ai eu trois échecs. Je suis sûre d'aller lever et j'ai recommencé. Jusqu'à ce que je trouvais ma voie. On rame les premières cinq années. Et si on baisse les bras, on dira que ça n'a pas marché, j'ai ferme et c'est fini, je ne me vis pas. Je n'ai pas été épaulée financièrement. Je n'ai pas été accompagnée comme vous l'êtes aujourd'hui, comme le sont aujourd'hui les femmes. Non. Je n'ai que mon seul être, mon travail, mon courage et le soutien de ma famille. Qui m'ont dit, continuez à avancer, c'est pas grave, tout recommence. C'est tout. Donc, voilà, déjà, je vais Good morning. Mon nom c'est Gadid Mohamed Qayad. Je suis en première année de droit à l'université. En fait, en premier lieu, je tenais à remercier Madame la ministre de la promotion de la femme et du planning familial, des relations et des chargées des relations avec le Parlement, d'avoir donné ce privilège aux femmes qui sont nos sœurs, nos épouses et nos mères. Ma première question, quelle protection sociale pour les activités entreprenantes? Ma deuxième question, comment disponibiliser l'information pour permettre aux femmes d'exercer une activité économique? Merci de votre attention. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je me nomme Malka Ate Ewaïs, je suis une étudiante de l'université de Djibouti, première année droit. Je suis si éblouie de voir autant de dames ici présentes avec un grand cœur à nous dévoiler leur parcours professionnel. Je souhaiterais poser ma question à Madame la ministre de la promotion de la femme, Madame Asna Barkat. Je trouve fabuleux vos courages, vos déterminations, vos volontés tellement grandes et discrètes. Si je parle au nom des étudiants qui nous sommes les étoiles du pays, il est important de voir plus lointainer et même chercher ce qui se trouve derrière la lune. Il nous serait donc sans doute très très important et avantageux de suivre des cours de courtes et brèves formations en répondant à trois fameuses questions qui sont pourquoi, comment et avec quoi pourrait-on s'y lancer? Et surtout, comment vous êtes en arrivé là à ce stade? Car vous êtes la source de motivation d'un grand nombre de personnes, y compris moi. J'aimerais aussi remercier à Monsieur le ministre du Travail pour le détail de procédure du montage de notre propre entreprise, parce que c'est une réponse donnée en avance à une question dont je voulais poser. Merci tout le monde. So, good morning, everyone. So today, I'm going to present myself first of all. So my name is Samira Khalil Mahamoud. I am in the University of Djibouti. I'm the first promotion of the filer of BBA. I'm in second year. It's a Bachelor of Business Administration. So the conference of our today, the debate of our conference is the economic role of the woman. So I'm well placed to talk about that. So my question is for the founder of the entrepreneurial in Ethiopia, to Ms. I can't remember her name because it was so difficult. So the question is, as a student who is looking for a job in the future, can you give me some advice on the steps that you took in order to have the position that you are right now as a founder? So actually the real question is, how can I reach the position that you are right
panélistes qui peuvent effectivement commencer à répondre. Essayez d'être le plus succinct possible. Merci bien. My name is Ngidai. Ngidai means when somebody comes in your house, what you call guest. Guest. I am your guest now. Thank you. Micro and small, and he gave some support. On this case, they become the market needs. They are need assessment. On additional, when they got a small amount of support, the young people, they break through everything and they become millionaire. On this case, we have most of our country, most of millionaires are young women and young men. You understand? When they finish from their school, they cannot wait the government, or they cannot ask to ministers of social or working ministers, but they organize micro and small, and they give training, and they register no informal sector, but there is more informal sector, I know, in our country. But we give some awareness for them. But on behalf of young entrepreneurs, when they want, they can give different kind of opportunity, business opportunity, and they choose, and the government give some support, and they break everything. On this case, we can get our economic yearly, it adds. Understand? Yeah. I answered your question. Alors, merci, Yvette. Moi, je souhaiterais répondre à un jeune homme qui parlait de l'information. Où trouver l'information? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de quel type d'information. Est-ce que c'est l'information pour créer son entreprise? Si c'est ça, vous avez la possibilité d'aller de chez vous, si vous avez accès à Internet, sur le site de la Chambre de commerce, www.ccd.dj, et vous aurez les modalités de création d'entreprise au niveau du site. Sinon, vous pouvez vous déplacer à tout moment, donc pendant les ouvertures des bureaux de l'administration à la Chambre de commerce, sans rendez-vous,
Vous pouvez venir au service information et vous aurez toutes les informations et les conseils pour la création d'entreprise. Je pense qu'il y a aussi d'autres organismes, le PIC et la MPI, qui sont là pour ça en fonction du type d'entreprise ou du type d'investissement que vous voulez faire. Peut-être aussi répondre à la jeune fille qui avait posé une série de questions un peu dans le même type. Vous aviez dit pourquoi, comment et avec qui pouvons-nous nous lancer. Pourquoi ? Donc je pense que d'ici quelques années, vous allez finir vos études. Donc il faudra que vous commenciez à gagner votre vie. Donc je crois, et là je parle sous réserve, sous le contrôle des membres du gouvernement. Jusque-là, les jeunes qui sortaient de l'université étaient en grande partie rejoignaient la fonction publique. Mais aujourd'hui, je crois que c'est de moins en moins le cas, ou ce n'est de moins en moins possible. Donc la meilleure option pour vous, ce serait de créer votre entreprise pour avoir votre indépendance économique déjà, pour pouvoir gagner votre vie de manière décente. Je crois que les jeunes filles, les jeunes femmes qui ont parlé jusque-là vous ont incité, vous ont montré que c'était possible. Il y avait bien sûr, il y a toujours des obstacles, mais il y a également des possibilités et des administrations qui sont là pour essayer de vous aider et d'aller au-delà. Comment, donc en venant à la Chambre de commerce et auprès des institutions qui sont là justement pour accompagner les jeunes dans la création d'entreprises. Voilà, je crois que j'ai répondu aux questions. Très réconfortant, et je crois que une conférence débat telle que celle-là, c'est justement de créer des émules, de montrer des exemples de ce qu'on appelle des success stories, ces femmes qui sont là devant vous, celles qui sont au gouvernement, celles qui sont dans d'autres domaines, dans l'administration, et qui sont aujourd'hui, grâce à une politique volontariste du président de la République, grâce au soutien sans faille de la Première Dame, aujourd'hui, c'est pour aussi donner des exemples, sans créer de discrimination. Je voudrais juste dire à nos collègues mâles, à nos frères et à nos pères, et que nous ne sommes pas en train de créer une discrimination positive. Il y avait juste un gap à combler. Il y avait un fossé qui s'était créé à cause de croyances, à cause d'une éducation qui est plus que centenaire, hein, et ce n'est pas seulement à Djibouti, que les filles valaient moins que les garçons. Ça, c'était quelque chose qui n'était fondé ce qu'on appelle des préjugés, qui n'étaient fondés sur aucune base, que ce soit scientifique, le cerveau, nous avons le même cerveau, aucune base religieuse. Vous savez comment est traitée la fille et la femme dans notre religion, l'islam. Nous avons une place à part, nous avons des sourates qui louent nos qualités et qui disent qu'il faut nous protéger, nous respecter. Donc je crois qu'il y avait un fossé à combler par des lois qui ont créé, donc qui ont permis de faire avancer la cause de la femme, mais nullement dans le dessein de créer un autre fossé. Bien au contraire, aujourd'hui c'est la façon dont nous éduquons nos enfants. Moi, ma fille et mon fils, je les éduque de la même manière. Je leur demande de se respecter l'un l'autre, je les éduque et demande à ce qu'ils soient aussi bons l'un que l'autre à l'école. Donc je crois que c'est là où nous voulons en arriver et pas du tout dans le sens contraire. Je voudrais rassurer nos frères dans ce sens-là, et premièrement mes collègues qui sont à côté de moi et qui sont toujours là pour nous soutenir, et je crois que sur ce plan-là il n'y a pas de doute. Je voudrais dire à Dera que si il y a quelque chose à valoriser et qui moi personnellement m'a permis d'avancer et peut-être d'en arriver là, c'est peut-être la valeur que l'on donne à l'éducation de nos parents. Paix à leur âme, aujourd'hui ils ne sont pas là tous les deux, mais il faut écouter ses parents, il faut leur faire honneur,
ils se fatiguent pour nous éduquer et tes parents également, je pense, Dera. Si aujourd'hui tu vas à l'université, c'est également pour leur faire honneur et leur permettre d'être fiers de toi. Et il faut garder cette ligne tout au long de sa vie, faire honneur à ses parents, à sa famille, et bien sûr l'éducation qu'ils nous donnent et la fatigue qu'ils ont à nous élever. Je crois qu'il faut leur faire honneur et donner de la valeur également à l'école, à l'université. L'État met beaucoup de moyens. Nous sommes un pays en développement, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais les maigres moyens que nous avons, le gouvernement et le chef de l'État le met dans l'éducation et la santé. Et je crois qu'il faut faire honneur aussi à notre pays, à notre patrie, en étant les meilleurs. Et là, je voudrais vraiment féliciter tous les étudiants qui ont pris part à ce débat pour la qualité de leurs interventions. Et je peux dire ici notre fierté d'avoir des étudiants de cette qualité, dont l'une a parlé en anglais. Vraiment, je suis très éblouie et félicitations à tous nos étudiants. Et nous sommes là, nos portes sont ouvertes pour vous servir de guide, pour vous guider sur la bonne voie et continuer également à œuvrer dans le bon sens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, on fait une annonce par rapport aux festivités qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Cette année, on fête notre 15e anniversaire d'existence et on remercie énormément le président de la République de Djibouti. Par rapport aux activités, la première, c'est celle-là dont vous êtes présent, on vous remercie. La prochaine activité, c'est une exposition de vente de produits artisanaux qui aura lieu du 1er au 3 avril au Casino Aramus. Donc, je vous invite tous à y passer. Merci. Cette festivité va se clôturer par une marche symbolique. Une marche symbolique qui va réunir 5000 femmes. Le point de départ est prévu pour, à partir de la gare de Côte jusqu'au Palais du Peuple. Donc, le ministère de la Promotion de la Femme, en collaboration avec l'Union nationale des femmes, vous invite à marcher à nos côtés, celles qui sont présentes ici et celles qui ne sont pas parmi nous. Donc, c'est prévu pour le 10 avril 2015, Inch'Allah. Je remets de vous annoncer que la Journée internationale de la femme aura lieu le 5 avril au Palais du Peuple à la grande salle de conférence. C'est une journée qui est célébrée sous le haut patronage du président de la République. Merci beaucoup.